Arrête. Ici Nono du B2 Corapilo en direct du Ventilo. Je suis en présence de Valentin Barit qui va nous faire partager une expérience plutôt difficile. Âme sensible, s'abstenir. Nous l'écoutons. Valentin Barit, explique-nous. Alors, comment vous dire, on était parti pour rendre service à la base, quoi. On est des mecs gentils, Corapilo, on rend service, quoi. On était parti pour faire du ménage et tout ça. Donc, du coup, ils nous appellent, on va chez eux. Et là, on arrive. C'était des animatous, des vieux chats, mais bien agressifs, tu vois. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mais on arrive, il y avait l'autre liste qui était présente aussi. Les chiminois, là. Ah, les macaques. Et ouais. Les macaques. Les méchants macaques, là. Les macaques. Donc du coup, on arrive, moi naïf, je crois qu'on va nettoyer à deux listes. Il nous faut rentrer dans une chambre. On commence à plier gentiment, on range et tout ça. Et là, 15 animatous, 15 félins qui nous sautent dessus. Ils nous scotchent, ils nous ont bâillonné, ils nous ont roulé par terre. Oh mon dieu. Non, ils nous ont pas tapé. Ah. Bon, pour finir, ils nous ont assis à une table dans le salon. Ouais. Et ils nous ont fait boire tous les alcools possibles et imaginables. Des trucs sales, hein, qui étaient ouverts depuis des semaines. On a tenu le choc. Bon, Rodès a malheureusement dégluti un peu au moment de l'anis. Il n'a pas supporté l'anis, c'est pas de sa faute. Mais sinon, les Corapilo, on a bien tenu le coup. Ouais. Vous avez été meilleur que les macaques. Ouais, bien meilleur et Ok, très bien. Merci Valentin. C'était Nono en direct du Ventilo. A bientôt pour de prochaines aventures. Nous sommes au déjà vu. Le déjà vu, la boîte des corrompus. Sa petite gueule d'ange là, tout le monde peut le faire. Hein. Tout le monde ici est corrompu. Corruption, mesdames et messieurs, corruption et votez. Votez contre les deux équipes, votez contre, mais votez pour eux quand même. Coupez cette partie.